téléphone et que je vous donne vos médicaments. Jeanne a 99 ans. Tous les jours, elle prend plusieurs médicaments. Une posologie adaptée pour ses soucis de santé. Pour la tension, le petit patch pour le cœur. Pour les œdèmes aussi. J'ai jamais pris de médicaments de ma vie. Il n'y a que depuis que je suis ici, puis il y a des petits problèmes de santé. Mais sinon, je ne prenais jamais rien, chère madame. Dans cette EHPAD, tous les dossiers médicaux ont été étudiés pour réduire au maximum la prise de médicaments. Ces deux professionnels de santé ont créé Yatro, un outil informatique qui permet de comparer les bénéfices et les risques d'un médicament sur une personne âgée pour réduire ou suspendre certaines prescriptions. Vous pouvez avoir des gens qui arrivent en EHPAD et qui ont une ribambelle de traitement. Et puis quand on s'interroge ou on regarde le dossier du patient, le dossier clinique, on ne trouve pas d'indication. On a un patient qui nous dit qu'il n'a rien de particulier. On enlève. Okay. Parce que quand il n'y a pas d'indication, pourquoi prendre des médicaments ? Cet outil leur permet d'émettre un avis et d'alerter sur les effets indésirables. Mais le médecin du patient reste maître de la prescription. L'idée, c'est de donner l'information sur un plateau au médecin prescripteur de médicaments qui, a priori, sont inappropriés avec des critères internationaux, ou de médicaments qui donnent des syndromes gériatriques, tels que la dépression, tels que la démence, tels que les chutes à répétition, tels que la dénutrition, que la neuropathie périphérique. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en idée quand on pense à un médicament. Mais pour les médecins, pas toujours possible d'alléger les traitements. Les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, par exemple, ils ont facilement 4 à 5 médicaments que l'on ne peut pas enlever sans risque. Plus de 500 dossiers de patients ont déjà été analysés parmi les 1000 résidents dans les EHPAD hospitaliers du Cher. Reine, la doyenne de 108 ans, n'a jamais pris de médicaments. C'est peut-être ça, le secret de la longévité.